Notre deuxième exposé de l'après-midi maintenant sera présenté par Jean-Paul Gondolfo, de l'École nationale supérieure Louis Lumière. Jean-Paul Gondolfo est reconnu pour ses travaux sur l'histoire des techniques photographiques. Parmi ses publications réalisées en collaboration avec Bertrand Lavédrine, on peut citer deux ouvrages majeurs pour ce domaine, l'histoire des techniques photographiques, c'est l'autochrome lumière, secret d'atelier et défis industriels, et l'ouvrage Reconnaître les photographies anciennes. Son exposé aujourd'hui s'intitule Introduction à la méthode indirecte dans la seconde moitié du 19e siècle. Incertitudes scientifiques et enjeux industriels. Et se propose donc d'analyser l'histoire de la photographie dite indirecte des couleurs en opposition au procédé dit direct, comme celui de Becquerel. J'ai très envie d'entendre parce que c'est une classification tenace dans l'histoire de la photographie des couleurs, cette idée de direct et indirect. Classification que je trouve vraiment révélatrice de la réception de ces premiers procédés. Donc c'est un sujet bienvenu pour nous avancer dans notre réflexion sur Becquerel et le contexte de l'invention de la photographie en couleur. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc, en introduction, je souhaiterais remercier les organisateurs de cette journée de conférence rare, parce que c'est la première fois pour ma part que j'ai l'occasion de partager une journée avec Becquerel et avec son travail de recherche sur la couleur. Et par ailleurs, c'est très courageux pour ces organisateurs d'inviter un orateur à parler de la méthode indirecte, ce qui aurait été extrêmement délicat à réaliser au XIXe siècle, tant les tensions étaient avérées, on va dire, entre les tenants de la méthode directe et les tenants de la méthode indirecte. Et ces débats ont vraiment traversé le XIXe siècle, et on le verra, sont arrivés également au début du XXe siècle. Donc, dans un premier temps, c'est intéressant, avant de rentrer directement dans le déroulé de la méthode indirecte, de voir un petit peu quels étaient les enjeux de la photographie couleur au moment où la photographie est divulguée. Parce qu'on a commencé à le sentir un petit peu ce matin dans les différentes exposés qui ont été faits par mes collègues. La question de la couleur, elle traverse vraiment toute l'histoire de la photographie. Elle la précède même, on va voir, parce qu'en fait, l'idée d'une photographie en couleur, qui n'est pas encore vraiment définie en termes de méthode et en termes de procédé, elle est vraiment préexistante à la divulgation de la photographie. C'est donc une histoire extrêmement longue. La première méthode qui s'impose, et on va le voir de manière très très forte au XIXe siècle, c'est ce qu'on a commencé à évoquer ce matin, c'est la méthode directe, parce qu'en fait il y a une évidence historique, technique, politique de la méthode directe au XIXe siècle, qui fait que les autres méthodes envisageables vont être un petit peu reléguées en arrière-plan par rapport au mérite, on va dire, supposé de la méthode directe. Cette phrase a été évoquée ce matin, mais là je la replace à nouveau parce qu'elle est vraiment très importante, parce que François Arago a vraiment une fonction centrale dans le processus de déroulement, de divulgation, d'invention de la photographie dans la première moitié du XIXe siècle. On pourrait le considérer non seulement comme un scientifique, comme un politique, mais presque un peu comme un prescripteur de ce qu'il faudrait faire au niveau de la photographie pour faire évoluer les moyens. Et donc il y a cette phrase qui est célèbre, qui est en fait l'incitation de la part de François Arago de se diriger vers cette méthode directe, qui a ses justifications sur un plan historique, et c'est ce qui justifie pour une part importante la forte présence qu'elle occupe au XIXe siècle. Parce que une chose qui est un petit peu moins connue, c'est que peu d'historiens contemporains, malheureusement, se sont penchés sur cette question
C'est en fait l'héritage alchimiste au niveau de la photographie. Bon, l'alchimie précède la chimie, elle l'accompagne, parce qu'en fait les pratiques alchimistes perdurent au 19e, voire au 20e siècle. Et en fait, dans l'alchimie, il y a deux versants, on va dire. Il y a un versant qui peut être jugé comme étant irrationnel, qui est en fait la connexion des pratiques alchimistes avec des activités qu'on pourrait qualifier de cosmologiques. L'influence de la position des astres que l'on voit ici, par exemple le soleil, la lune. Mais il y a également une attitude très rationnelle des alchimistes antérieurs à la période de la photographie. C'est en fait le rôle qu'ils ont assumé en tant que défricheurs des ressources naturelles du sol en particulier, et donc des composés métalliques. Et dans ces composés métalliques, on va trouver ce fameux chlorure d'argent qui sera étudié bien avant que la photographie soit inventée. Et naturellement, ça pouvait laisser penser qu'il y avait véritablement des possibilités pour mettre en œuvre un dispositif photographique à partir de ce matériau, y compris dans sa dimension colorée. Cette couleur du chlorure d'argent, elle apparaît de manière accidentelle dans certains procédés photographiques du 19e. Donc là, c'est un exemple d'une planche d'étude d'Hippolyte Bayard à base de chlorure d'argent. Et on voit apparaître ces couleurs. Et donc, tous ces essais avec les accidents et le peu de compréhension qu'on avait pour interpréter ces phénomènes physico-chimiques faisaient perdurer en fait cette idée qu'on peut qualifier comme une forme d'utopie d'une couleur directe, et donc en passant par ces fameuses plaques de Becquerel, sur lesquelles beaucoup d'espoirs ont été portés et qui ont vraiment marqué durablement cette filière. La deuxième méthode alternative qui s'est présentée une fois de plus avant la découverte de la photographie, en particulier, mais pas seulement avec les travaux de Herschel, ce sont les procédés par décoloration. Donc là, ce sont des procédés qui aussi sont porteurs de la couleur, qui pouvaient laisser penser qu'on allait non seulement trouver un dispositif photographique, mais qu'en plus ce dispositif allait restituer la coloration des objets qu'il représentait. Donc ces systèmes à décoloration, pour une part importante, reposent sur des composés issus du monde végétal. Donc là, on a par exemple une expérience contemporaine, mais qui reprend des dispositifs anciens. On pourrait appeler ça une chlorophotographie, une photographie à base de chlorophylle. C'est en fait une copie par contact de feuilles obtenues sur une autre feuille qui devient le récepteur photographique de la feuille, enfin des feuilles qui la recouvrent. Donc il y a donc une empreinte qui se crée par un dispositif de décoloration. Dans des conditions particulières, cette décoloration peut non seulement restituer l'enregistrement photographique, mais ça peut également restituer des colorations qui sont en relation avec le modulateur, la diaphanie qui a été posée sur l'objet photographié. Bon, cette piste sera une impasse parce que naturellement, comme pour la méthode directe classique, il n'y a pas de dispositif pour stabiliser l'enregistrement. Bon, l'avantage relatif de cette méthode, c'est que comme elle est extrêmement laborieuse à produire en termes de temps d'exposition, elle est extrêmement très très lente à se détruire lorsqu'on l'observe à la lumière. Donc ça laisse, on va dire, une espérance de consultation un petit peu plus longue par rapport à des systèmes empruntés à la filière argentique. Et donc la troisième méthode, on y arrive, c'est la méthode indirecte. Alors cette méthode indirecte, elle est très intéressante à appréhender dans un premier temps dans une approche un petit peu contextuelle par rapport à cette période un peu pivot du milieu du 19e. Parce qu'aujourd'hui, bon, la méthode directe, on va le voir, c'est la méthode trichrome. C'est vraiment la méthode qui domine tous les usages de la photographie, du cinéma, qui a traversé l'époque argentique, qui est arrivée au numérique. Il y a vraiment, avec le recul du temps, il y a vraiment aujourd'hui une domination totale de cette méthode sur tous les systèmes de représentation photographique et cinématographique.
Pour autant, au 19e, cette approche peut être qualifiée de marginale, voire d'extrêmement critiquable par une partie de la communauté scientifique, comme on va le voir. Et on a vraiment un double statut de la méthode indirecte, un statut extrêmement marginal, on va dire, dans ses propositions, lorsqu'elles sont formulées au 19e. Et puis progressivement, on va dire, on va sortir des illusions des différentes méthodes directes pour arriver, mais sur des dizaines d'années, hein, ça va prendre un temps extrêmement long, progressivement, on va arriver de manière assez pragmatique, en particulier avec le concours des industriels qui vont relayer des positionnements purement scientifiques au départ qui étaient présents au 19e, on va arriver à des solutions pragmatiques qui vont privilégier cette filière par rapport aux autres alternatives qui avaient été formulées. Une des différences fondamentales, en fait, si on se penche un petit peu sur le dispositif de mise en place de cette filière indirecte, et ça rejoint une majorité des communications qui ont été faites ce matin, c'est qu'en fait, on ne pouvait pas inventer un dispositif globalement efficace dans cette filière indirecte sans avoir une connaissance approfondie de la physique de la lumière. Et là, il y a un conflit intellectuel, on va dire, qui va s'organiser au 19e, parce qu'en fait, au 19e, naturellement, la physique de la lumière connaît des progrès considérables, mais en même temps que la photographie se développe. Et donc, les choses auraient été beaucoup plus simples si la physique de la lumière avait été positionnée de manière plus approfondie en termes de connaissances avant que la photographie ne survienne. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc là, cette méthode indirecte va traverser les différentes époques qui vont être marquées par des évolutions théoriques au niveau principalement des physiciens. Et ça, c'est une différence importante avec la photographie monochrome qui l'avait précédé, parce que pour une part, la photographie monochrome procédait d'un certain nombre d'accidents expérimentaux qui avaient été exploités, mais dont la compréhension fondamentale était extrêmement minimale, on va dire, par rapport à ces opérateurs. Bon, si on prend par exemple les procédés argentiques, l'essentiel des procédés argentiques performants du 19e, y compris le daguerreotype, repose sur la mise en œuvre de ce qu'on appelle une image latente, hein, qui est en fait la forme à toute petite échelle de l'enregistrement produit par une prise de vue photographique. Cette image latente, elle est présente sur le daguerreotype, hein, qui est le premier procédé à l'exploiter, et donc est divulguée en 1839. Mais la première théorie partielle, mais néanmoins satisfaisante sur l'image latente, elle survient en 1938. Donc il y a pratiquement un siècle de décalage entre la mise en place d'un dispositif technique et sa compréhension fondamentale en termes scientifiques. Pour la couleur, c'est extrêmement différent parce que cette méthode indirecte ne peut pas emprunter de manière significative à des phénomènes accidentels. Et donc elle passe par un accompagnement théorique qui rend en fait la communauté scientifique indispensable en termes d'acteurs majeurs dans le processus d'invention. Et on doit remonter de manière incontournable à la période de Newton, donc c'est-à-dire en fait fin 17e, début 18e, pour justement remonter à cette expérience du prisme, avec toutes les conséquences qu'en avait tirées Newton, et donc se pencher sur ces fameuses couleurs spectrales qui pouvaient alimenter une approche théorique. Donc ces couleurs spectrales, pour une part, elles étaient observées depuis très très longtemps, depuis les origines, dans des environnements naturels, avant d'être révélées par le prisme. Et donc, elles étaient parfaitement assimilées, on va dire, en termes de données environnementales. Au 19e, ces couleurs spectrales, on les retrouve dans les expériences de laboratoire et aussi dans les exercices de vulgarisation, en particulier les récréations scientifiques, avec le système d'interférence qui a été explicité ce matin. Et donc, de facto, la communauté scientifique, de manière assez logique, finalement, va fixer comme objectif au futur procédé de reproduction des couleurs
d'enregistrer et de restituer ces couleurs spectrales. Ça va vraiment être le cahier des charges non négociable, on va dire, de la photographie couleur au 19e. Et naturellement, au passage, on va nécessairement repasser sur l'héritage de Newton, avec à la fois ses défenseurs, mais aussi ses détracteurs. Et donc là, on voit une citation extraite d'un livre de Castel au 18e, qui traduit bien un petit peu l'état des opinions et le clivage qui est installé, au sens où, d'un côté, y compris dans la communauté scientifique, on a des opérateurs qui sont orientés vers ce qu'on appelle ensuite après les couleurs optiques, donc les couleurs spectrales en particulier. Par contre, on a d'autres opérateurs qui sont beaucoup plus intéressés par les couleurs pigmentaires, les couleurs matérielles. Et donc, de facto, là, on a les deux univers colorés que l'on va confronter au futur dispositif d'enregistrement de la couleur. Et naturellement, avec le recul moderne, on sait très bien que les problématiques sont très différentes selon qu'on veuille reproduire des couleurs spectrales ou reproduire des couleurs pigmentaires. D'un point de vue purement statistique, à notre environnement, il est composé essentiellement de couleurs pigmentaires, même si on rencontre de manière accidentelle ou fortuite, mais à très faible fréquence, des couleurs spectrales. Donc, un des représentants éminents au niveau des investigations qui ont été conduites sur les couleurs pigmentaires, bon, c'est Chevreul, qui est bien connu dans l'endroit où se passe cette conférence aujourd'hui, au muséum. Et donc Chevreul a travaillé sur une cartographie, on va dire. C'est un des pionniers de ce qu'on appelle aujourd'hui les espaces colorimétriques. Et donc il a approché de manière extrêmement fine, avec les moyens dont il disposait à l'époque, les problématiques de classification des couleurs. Et on verra que dans la méthode indirecte, la plupart des acteurs vont naturellement être très intéressés par les travaux de Chevreul, un peu moins par les travaux des scientifiques inscrits au niveau des études sur les lumières spectrales ou les lumières prismatiques, parce que naturellement, cette division de l'univers coloré était extrêmement bien perçue au 19e en particulier. Donc pour rester dans ce que j'appelle le cercle des physiciens, donc ça c'est un sens, Bertrand l'a un petit peu évoqué ce matin, c'est qu'en fait bon, les tiraillements, les antagonismes entre physiciens et chimistes sont bien connus, ils ont traversé toutes les époques, mais de manière objective, on peut dire que dans les premières décennies de mise en place de ces systèmes, au moins pour la méthode indirecte, ce sont les physiciens qui ont vraiment apporté les briques de la connaissance, hein, qui ont permis de mettre en place les procédés dont on va parler. Et donc, ça va être principalement des physiciens et des physiologistes, parce qu'on va le voir, la méthode indirecte, qu'on va appeler très rapidement la méthode trichome, elle repose sur un postulat, sur un principe analogique par rapport au fonctionnement de la rétine. Donc sur un plan scientifique, en fait, c'est un concept qui n'a pas à être démontré, c'est simplement un raisonnement analogique. Bon, c'est un des reproches parmi d'autres que l'on fera au tenant de la méthode indirecte. Donc là, j'ai fait une division des quatre domaines qui vont alimenter la connaissance nécessaire à la mise en place de ces procédés, bon, qui pour une part repose sur la physiologie, pour une autre part sur ce qu'on pourrait appeler la physique, et également avec des compléments mathématiques, hein, Newton étant un mathématicien éminent dans ce domaine. Et donc on va voir apparaître un personnage qui a également été évoqué ce matin, Maxwell, un physicien écossais, qui est très jeune, hein, à l'époque, c'est environ au tout début de sa carrière. Maxwell commence à s'intéresser à la couleur quand à la fin de ses études universitaires, et dans ses premières années d'enseignement, il est beaucoup plus connu aujourd'hui pour ses travaux sur les champs électromagnétiques, mais c'est ce qui occupera, on va dire, la deuxième partie de son activité professionnelle et universitaire. Mais il va vraiment rentrer dans le domaine de la physique par le biais de la couleur. Et en fait, Maxwell
va faire une synthèse extrêmement brillante des connaissances disponibles à son époque. Et comme beaucoup d'autres scientifiques, il va utiliser la photographie comme un outil de laboratoire permettant de faire avancer des théories scientifiques. Et dans ce cheminement sur la couleur, il sera aidé par un de ses proches. Là, on est en Écosse, et à cette époque-là, l'université écossaise entre Édimbourg et Glasgow est extrêmement active dans le domaine de la physique de la couleur. Et en fait, c'est James David Forbe, qui aujourd'hui est plus connu sur ses travaux fondamentaux sur l'étude des glaciers, la glaciologie, dont on reparle beaucoup ces derniers temps. C'est Forbe, qui est également passionné par la physique des rayonnements colorés, qui va stimuler, on va dire, intellectuellement Maxwell pour le convaincre de s'engager sur cette piste. En termes de profil de scientifique, Maxwell, il est extrêmement intéressant. Outre sa jeunesse que je viens de relever, c'est à la fois un physicien qui est doublé d'un mathématicien, mais qui en plus a vraiment une passion pour les dispositifs expérimentaux. C'est-à-dire que c'est vraiment un homme de laboratoire et il dépense beaucoup d'énergie pour mettre en place des dispositifs expérimentaux. Et donc, il va utiliser la photographie pour en fait prolonger les travaux de Jung au niveau de ce qui pourrait être la nature trichrome de la lumière. À cette époque, du milieu du 19e, un des outils privilégiés qui est à la fois extrêmement simple en termes de mise en œuvre, mais qui a une très très grande puissance en termes de modélisation des mélanges de la couleur, c'est ce qu'on appelle la toupie chromatique. C'est un petit système, c'est une toupie, comme un jouet d'enfant, sur laquelle on peut disposer des secteurs de différentes couleurs avec des angles variables. Et en fait, la manipulation expérimentale de cette toupie permet de faire des calculs mathématiques sur les mélanges de couleurs, aussi bien les couleurs pigmentaires qui composent la toupie que le mélange optique qui va être créé par la rotation de l'instrument. Et donc on arrive à cette expérience évoquée ce matin, qui est en fait ce qu'on pourrait appeler, même si elle est, avec un vocabulaire moderne, une restitution immatérielle de la couleur, puisque c'est une projection, c'est vraiment l'expérience fondatrice de la photographie couleur. Et paradoxalement, ça reprend des constats qui ont été faits à propos d'autres découvertes majeures ce matin. C'est en fait une avancée qui va être extrêmement peu rapportée, voire pas rapportée, dans les milieux photographiques. C'est-à-dire que ça va passer quasiment inaperçu, ça va rester dans le cercle de la communauté scientifique, et ça ne va pas être intégré par à la fois les acteurs techniques ou scientifiques de la photographie du 19e. Donc par cette expérience, Maxwell fait la démonstration que trois couleurs judicieusement choisies sont suffisantes pour recréer un ensemble de couleurs. Bon, de facto, il est hors de propos, naturellement, de reproduire des couleurs spectrales avec ce type de dispositif. On se concentre sur les couleurs pigmentaires, et donc il y a ce fameux ruban de tartan écossais qui a été utilisé pour cette expérience. Donc le système photographique qui est employé, c'est le procédé Collodion, qui est le procédé évident à cette époque en termes d'usage, et donc avec les limitations que mon collègue Bertrand Lavédrine a révélées ce matin, et donc cette fameuse ce fameux constat critique, mais qui est intéressant en termes d'histoire des techniques et d'histoire des sciences. C'est un exemple que j'utilise régulièrement avec mes étudiants, c'est qu'en fait, un siècle après une avancée majeure dans le domaine scientifique, on se pose la question de savoir pourquoi l'expérience a fonctionné. Et je pense qu'il y a encore pas mal d'avancées historiques dans les domaines scientifiques et techniques qui pourraient être revues avec une approche critique comme celle-ci. Et effectivement, c'était ce problème de luminescence dans l'UV, de ce colorant rouge utilisé en Écosse à cette époque-là, qui a permis à Maxwell de faire son expérience. Mais au-delà de cette
investigation tardive conduite par le représentant responsable du département colorimétrie du laboratoire Kodak de Rochester. Quand on se penche sur l'expérience de Maxwell au 19e dans le détail, il y a des points aussi qui peuvent interpeller, comme par exemple, comme manifestement, une problématique de sensibilité tout à fait compréhensible, globale, par rapport au procédé au collodion. Donc Maxwell utilisait ce qu'on appelle des filtres liquides, c'est-à-dire en fait des cuves en verre à lame parallèle qui remplissaient de solutions colorantes et qui pouvaient moduler en couleur, mais également en concentration. Et donc, par exemple, ce fameux cliché du rouge, non seulement Maxwell a été aidé par les teinturiers écossais traditionnels qui fabriquaient ces tartans, mais comme c'était encore beaucoup trop long en termes de temps de pose, de manière assez logique, ce qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, il a remis de l'eau dans la cuve qui composait le filtre, et en diluant le colorant qui constituait son écran de sélection, il a réduit son pouvoir sélectif de manière incontournable, mais en même temps, il s'est un petit peu facilité la tâche. Donc premier point, où c'est un petit écart par rapport à la théorie. Le deuxième point est plus intéressant, parce qu'en fait, quand on étudie les documents par rapport à cette expérience de 1861, on se rend compte en fait que Maxwell avait fait une quatrième séparation trichrome avec un filtre jaune. Bon, ce qui aujourd'hui, avec une approche moderne, apparaît comme une impasse totale, mais le fait qu'il ait pratiqué ce quatrième cliché mais sans avoir pu l'exploiter, parce qu'il n'y avait pas de possibilité technique pour le faire rentrer dans sa combinaison de filtres à d'écran de séparation, montre bien qu'il y avait un doute. Et ce fameux filtre jaune, on va le retrouver chez pas mal de protagonistes pendant une bonne partie du 19e, voire au début du 20e siècle, dans certains brevets. Et donc cette classification très stricte et totalement autonome entre les couleurs pigmentaires, les couleurs spectrales, les primaires de chaque système qui sont objectivement différentes, ce distinguo a été extrêmement laborieux à mettre en œuvre au 19e, et y compris chez les scientifiques les plus avancés, il y avait encore un doute pour gérer cette fameuse couleur jaune qui était inutilisable sur un plan pratique, mais qui questionnait quand même sur le plan théorique. Donc l'étape suivante, de manière assez logique, parce que les besoins de l'époque, même si la projection avait une certaine vogue dans la seconde partie du 19e, les enjeux étaient clairement identifiés vers la production d'épreuves sur papier. Et en précisant un petit peu les enjeux de ce débat, on peut même dire, dans la continuité des travaux de Niepce ou du concours du duc de Luynes qui se déroule à Paris dans les années 1850-1860, qui était l'objet était aussi de dépasser les enjeux photographiques, mais d'aller assez rapidement vers des procédés photomécaniques et vers l'imprimerie. C'est-à-dire que l'imprimerie était considérée à cette époque-là, à juste titre, comme un débouché majeur par rapport à ces techniques en gestation. Et donc là, on va trouver un personnage central qui est très intéressant à étudier, sur lequel il y a encore pas mal de zones d'ombre et d'incompréhension, aussi bien par rapport aux objets que par rapport aux écrits qu'il a laissés. C'est Louis Ducos d'Huron qui va vraiment consacrer sa vie entière à la mise en œuvre, à l'invention de dispositifs de photographie en couleur, mais qui incarne, avec peu d'équivalent au 19e, ce qu'on pourrait appeler la posture de l'inventeur malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, l'inventeur qui a vraiment un côté tout à fait innovant dans les propositions qu'il avance, mais qui ne parvient pas à en tirer un bénéfice personnel, à une époque où on a un changement de régime, globalement dans la pensée technique et scientifique, où progressivement, on va passer d'une recherche schématiquement désintéressée, incarnée par les scientifiques, y compris par ceux que j'ai cités auparavant, à progressivement des enjeux qui vont se déplacer sur le terrain industriel. On va avoir des revendications de brevets et des ambitions de fabrication par rapport à des enjeux objectifs associés à ces nouvelles techniques. Et Ducos d'Huron incarne de manière parfaite, avec excellence, cette figure de l'inventeur. Malheureusement pour lui, il invente beaucoup trop tôt. En fait, c'est un visionnaire de la couleur et il va inventer beaucoup trop tôt des inventions qui sont objectivement
très complexe à amener sur le terrain industriel. Donc les ambitions sont clairement affichées. Il va déposer pendant toute sa vie, il va déposer des brevets. Bon, le plus connu, celui qu'on retient, c'est le brevet de 1868, qui sera divulgué de manière assez logique l'année suivante, de manière à le valider, donc en 1869. À cette époque-là, on est vraiment au tout début de l'histoire des brevets dans le droit français. Les brevets, ça a été mis en place au début de la période révolutionnaire, et c'était globalement l'alternative au monopole royal qui était octroyé sous l'Ancien Régime. Et c'était l'idée des révolutionnaires, en fait, de récompenser les inventeurs de leurs innovations sur une durée comptée, et ensuite de faire profiter à la nation les avancées réalisées par ces inventeurs. Donc de manière cadrée et non négociable, à cette époque-là et longtemps après, les brevets sont accordés par l'État français, dans le droit français, sur une durée de 15 ans. Et avec en plus une période beaucoup plus courte pour amener le produit revendiqué sur un terrain industriel. Et globalement, quand cet inventeur propose ses différentes pistes par rapport à la photographie couleur, qui sont extrêmement extensives en termes de domaine d'application, aussi bien pour les procédés photographiques que photomécaniques, avec pas mal de solutions parallèles qui sont envisagées, on est beaucoup plus proche de la période de Maxwell que de la fin du 19e siècle, qui est encore une perspective à moyen terme. Et naturellement, la photographie n'a pas encore assez évolué, notamment dans le domaine de la chromatisation, pour que l'on puisse vraiment concrétiser des procédés photographiques couleurs performants. Et donc, du coup, on va se buter contre cette première difficulté, et qui fait qu'en fait, progressivement, les différents brevets qu'il va déposer vont devenir caduques et vont devenir accessibles au plus grand nombre, et ne pourra plus faire valoir ses revendications. Quand on lit de manière un peu détaillée ce brevet, c'est intéressant parce qu'il a quelques différences par rapport aux ouvrages qui ont été publiés toujours par cet inventeur dans la même période. Naturellement, les stratégies sont un peu différentes en termes d'écriture selon qu'on rédige un brevet ou qu'on rédige un ouvrage de vulgarisation. Et le brevet met plus en évidence les difficultés qu'a dû résoudre l'inventeur, et notamment ce fameux problème de sensibilité. Par exemple, dans le brevet, il est indiqué que pour faire les trois clichés, si on ne dispose pas du temps suffisant, on peut les faire sur trois journées différentes, de manière à résoudre un problème incontournable de ce type de prise de vue qu'on appelle maintenant de prise de vue séparative, parce qu'on fait des prises de vue à trois temps différents, pour gérer une certaine synchronicité entre le système d'ombre du sujet. Si on fait une première photographie à 9h du matin sous un filtre, la deuxième photographie à midi, la troisième à 4h, et que chaque temps de pause dure une heure ou deux, naturellement, le système d'ombre sera totalement incohérent et la photographie sera inutilisable. Au moins à l'époque du coup du rond, on verra à la fin de mon exposé dans la conclusion qu'aujourd'hui on exploite ces accidents physiques en termes d'enregistrement de la couleur par la méthode indirecte. Donc ça, c'est une planche extrêmement intéressante, mais très problématique, comme beaucoup d'images que nous a laissées du Coduron, mais celle-ci particulièrement, parce que bon, ça passe pour être une des premières photographies, au sens large du terme, qu'il a produite. En fait, ce n'est pas véritablement une photographie au sens classique du terme au 19e, c'est ce qu'on appelle une diaphanie. Parce qu'en fait, au départ, bon, comme beaucoup d'inventeurs, comme pour Talbot, comme Bayard, comme pour d'autres, le procédé était trop lent pour l'amener directement au stade de l'acquisition avec la chambre noire. Et donc, il fallait travailler par contact. Et donc, pour travailler par contact, il fallait déjà avoir un modulateur. Mais travailler par contact avec un modulateur quand la photographie couleur n'a pas été inventée, c'est impossible, parce que le modulateur n'existe pas. Donc la seule manière de s'extraire de cette problématique, c'est de fabriquer un modulateur coloré naturel. Et donc du coup, Duron va faire le dispositif classique au 19e, ce qu'on appelle la diaphanie, c'est-à-dire de constituer un motif transparent à partir d'objets naturels empruntés à la nature. Et donc là, c'est une composition à partir de feuilles qui vont être déposées sur une surface transparente
et qui vont lui permettre d'exposer ces trois clichés. Donc là, on est schématiquement en 1869, au moment de la divulgation. Globalement, du coup, Duron travaille sur ce sujet depuis pratiquement 6 ou 7 ans, au moins, d'après les documents que l'on maîtrise aujourd'hui. Et à cette époque-là, il va utiliser un procédé qui peut sembler un peu anachronique, hein, qui le fait revenir en arrière dans l'évolution des techniques photographiques, mais avec une stratégie tout à fait intéressante, il va utiliser le négatif sur papier. Alors qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu utiliser, par exemple, comme Maxwell, le procédé au collodion humide qui était dominant à cette époque-là. Alors pourquoi il utilise le négatif sur papier ? Parce que naturellement, il l'explique dans le brevet, il constate qu'il y a effectivement une différence de sensibilité extrêmement importante quand il fait le cliché du bleu, qui est relativement rapide, par rapport au cliché du vert, donc sous filtre vert, qui est un peu plus lent, et sous filtre rouge, qui devient encore beaucoup plus lent. Et donc il va non seulement utiliser le négatif sur papier, qui était globalement la méthode utilisée une vingtaine d'années plus tôt, mais en plus il va utiliser une méthode de traitement tout à fait particulière, au sens où il ne va pas développer, au sens propre du terme qu'on accorde à cette opération, le négatif papier. Il va le fixer directement à la sortie de la contacteuse ou de la chambre noire, quand il travaillera avec une caméra obscura. Et après, il va travailler avec des solutions qu'il appelle, lui, des solutions de renforcement, et qu'avec un vocabulaire moderne, on appellerait plutôt un révélateur physique. C'est-à-dire qu'il va utiliser un révélateur à base de sel d'argent, de manière à amplifier de façon extrêmement importante les clichés objectivement très faibles qu'il obtenait au soleil, et qui est naturellement très très loin d'avoir cet aspect. Et alors, là c'est l'analyse, on parle de photographie, je ne l'ai pas encore dit, mais on parle de méthode indirecte, parce qu'on a deux temps fondamentaux. On a le temps d'analyse à la prise de vue, on fait trois clichés sous filtre bleu, sous filtre vert, sous filtre rouge, avec un support monochromatique, et après on passe au stade de la synthèse, on va mettre en couleur des positifs permettant de faire une synthèse de cette analyse trichrome et produire un tirage. Pour faire ce tirage trichrome, il va utiliser de manière assez logique, en termes technologiques, le procédé au charbon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le brevet, il n'y aura aucun hommage, on va dire, en termes d'antériorité à l'inventeur incontournable et objectif du procédé au charbon, qui était Alphonse Poitevin, qui venait de remporter le concours du duc de Luynes organisé par la Société française de photographie quelques années auparavant, pas plus qu'il n'y aura de remarques d'antériorité par rapport à Maxwell. C'est-à-dire, globalement, les seules antériorités que Ducos-Duron va accepter dans la littérature qui va le produire tout au long de sa vie, c'est celle de Chevreul, qui ramène au modèle de la couleur pigmentaire, de la classification des couleurs, mais il écarte soigneusement ses références à Maxwell et à Poitevin. Alors pour Maxwell, il n'y a pas de certitude, on peut penser effectivement que les travaux de Maxwell étaient relativement inconnus en Europe continentale, à l'époque où Ducos-Duron a produit ses travaux. Par contre, par rapport à Poitevin, ce n'était pas du tout le cas, puisque c'était un inventeur qui avait été récompensé par des distinctions tout à fait brillantes à Paris. Et donc, ce travail de Poitevin était tout à fait connu et il a été exploité par Ducos-Duron. Là, en passage, on voit une des stratégies extrêmement subtiles que Ducos-Duron utilise à cette époque-là, bien que sur un plan théorique, c'était vraiment très très peu maîtrisé. En fait, il va profiter des différences de couleurs, des différents sels d'argent qu'on peut utiliser en négatif papier, de manière à étendre le domaine d'activité spectrale de ces préparations photographiques. Avec un vocabulaire moderne, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une sensibilisation chimique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas encore de colorant sensibilisateur, mais là on est sur le terrain de la photochimie, donc la photochimie ne peut fonctionner que s'il y a un phénomène d'absorption spectrale du rayonnement qui éclaire le matériau. Et effectivement, le bromure d'argent est relativement jaune, le chlorure d'argent est relativement blanchâtre, incolore, on va dire. Donc il fait le cliché du bleu avec une préparation de papier négatif au chlorure,
il va passer tout de suite au bromure pour faire ces clichés du vert et du rouge. Et ça, sur un plan expérimental, c'est tout à fait intéressant qu'il ait pu saisir cette subtilité, on va dire, dans le fonctionnement et la photochimie des sels d'argent disponibles à cette époque-là. Donc ça, globalement, c'est la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode soustractive, dont du coup Ron sera le premier acteur, on va dire. Ça consiste en fait à superposer trois monochromes transparents sur un support blanc, donc une épreuve papier hein, en clair. Et donc effectivement, on a bien affaire à un dispositif soustractif, parce qu'en fait, chaque... Voilà. Donc en fait, chaque monochrome transparent va schématiquement absorber un tiers du spectre de lumière visible. Et donc effectivement, la recomposition se fait bien par soustraction successive de l'énergie lumineuse, donc, schématiquement la lumière blanche qui éclaire l'épreuve papier, alors que dans le schéma de Maxwell, il y avait addition des énergies lumineuses sur l'écran, un peu ce qui se passe au niveau de cette vidéo projection aujourd'hui. Et au passage, on voit qu'il utilise ce qu'il va appeler, lui, dans son vocabulaire, des primaires antichromatiques. C'est qu'en fait, il va croiser les jeux de couleurs entre les couleurs de ses filtres, de ses écrans de séparation, et les couleurs des pigments qu'il retient pour réaliser son tirage au charbon. Et au passage, on voit passer un des dilemmes qui a traversé toute l'histoire de la photographie, de la peinture et de l'imprimerie au 19e, au 20e et encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle de jaune, de rouge et de bleu pendant tout le 19e, alors qu'en fait, aujourd'hui, on parlerait plutôt de jaune et de magenta et de cyan. C'est naturellement le rouge qu'on utilise sur une épreuve papier au charbon comme celle-ci est très différent du rouge qu'on utilise sur un filtre de séparation pour faire une prise de vue trichrome. Et cette ambiguïté lexicale au niveau de l'appellation du rouge et du bleu a créé beaucoup de confusion, on va dire, dans la littérature photographique. Donc ça, c'est un schéma décomposé du fonctionnement soustractif d'une photographie sur papier. On voit effectivement que sur un plan schématique, on a ces trois tiers de spectre bleu, vert, rouge qui arrivent sur la première couche photographique. Et progressivement, au prorata des pigments présents dans chaque couche constitutive, on va avoir un retrait, une soustraction de l'énergie disponible. Donc ce brevet de 68, il est porteur de beaucoup de difficultés qui vont amener l'inventeur dans une situation extrêmement difficile. Pour faire un bilan rapide, il y a la problématique de chromatisation des préparations photographiques qui est encore vraiment extrêmement primitive à cette époque-là puisque les colorants sensibilisateurs n'ont pas encore été développés pour la photographie et le principe théorique n'a pas non plus été formulé. Il y a un manque de sensibilité. Il y a une confusion encore assez constante dans les premiers brevets du Coduron entre ce qu'on appelle les primaires de Brewster, jaune, rouge, bleu, et celle de Young, qui renvoie à la méthode additive et au fonctionnement de l'œil violet, vert et orangé. Et du Coduron fait des allers-retours qui ne sont pas toujours logiques en termes théoriques entre ces deux jeux de primaires. Il y a ce procédé historique négatif papier qui est aussi très complexe à mettre en œuvre par rapport aux besoins qui sont demandés. Il y a ce qu'on appelle la parallaxe de temps, c'est-à-dire en fait le fait de faire une prise de vue à trois temps différents sur un même sujet, et donc tous les éléments mobiles du sujet, les feuillages, les nuages, les personnages vont poser des problèmes en termes de restitution. Et si on fait les trois photographies simultanément avec trois objectifs, on les change contre une parallaxe d'espace où le point de vue étant différent, il y aura un problème de repérage géométrique entre les trois clichés composites. Le procédé charbon, qui était déjà complexe à mettre en œuvre en monochrome, l'est encore plus en trichromie. Et ça, ça va aussi poser beaucoup de problèmes à l'inventeur à cette époque-là. Et dès le début, il va constater un point remarquable avec un regard contemporain, c'est le problème d'instabilité des pigments sur les épreuves positives.
qu'il constate déjà sur ces épreuves associées au brevet, et il va progressivement les modifier, les faire évoluer jusqu'à la fin de ses jours pour obtenir des gains en termes de stabilité à la lumière. Et donc le fait que Maxwell et Poitevin ne soient pas clairement identifiés dans ce brevet primitif. Donc là, quelques images des premières années de production du Coudeuron. Bon, pour une part localisée dans le sud-ouest, la région dont il était originaire. Et donc on a des tirages relativement denses, avec beaucoup de matière, donc qui sont globalement cohérents, on va dire, par rapport à la technique de tirage qui est mise en œuvre. Alors naturellement, c'est un des reproches que l'on fera à du Coudeuron, c'est que les couleurs qui sont représentées sont naturellement relativement décalées en termes d'exactitude par rapport aux couleurs réelles portées par l'objet ou par le sujet représenté. Et donc il y a déjà une acceptation, on va dire, d'une certaine distorsion, on va dire, dans le rendu chromatique. Alors cette image, elle est intéressante en termes historiques pour appréhender les stratégies de l'inventeur. Parce qu'en fait, ça, c'est une image qui est produite pratiquement un quart de siècle par rapport aux images précédentes. Et on n'est plus dans la photographie, on est dans l'imprimerie. Et donc, en fait, de manière logique, par rapport aux stratégies du moment, du Coudeuron va arrêter progressivement la reproduction de sujets photographiques pour s'intéresser à des problématiques photomécaniques et à des solutions pour réaliser les impressions trichromes qui, naturellement, à l'époque, étaient demandées par le secteur industriel. Alors, naturellement, il y a d'autres acteurs dans cette période qui sont extrêmement intéressants et qui développent des approches différentes avec des rendus différents. Dans ces acteurs, on trouve un des principaux détracteurs du Coudeuron, qui est Léon Vidal, qui est bien connu par les historiens de la photographie, qui est président de la Société photographique de Marseille et qui est rédacteur en chef du Moniteur de la photographie, qui est vraiment une des revues majeures de la fin du 19e. Et donc Léon Vidal va lui à la fois critiquer très fortement les travaux du Coudeuron en termes de fidélité, et en même temps, il va développer une approche alternative qu'on pourrait qualifier d'interventionniste et qui va après se répandre fin 19e et pendant une grande partie du 20e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, il va confier le soin à des retoucheurs ou à des ouvriers de pallier en fait les insuffisances du système de reproduction. Et donc, de facto, ça va installer de très grandes différences de rendu entre les images de du Coudeuron et les images de Vidal. Pas seulement, avec d'autres aussi également, parce qu'en fait, du Coudeuron, lui, accepte les défauts de son système. Il ne veut pas intervenir en complément de l'activité du soleil et de la lumière qui produit ses tirages, alors que Vidal est totalement pragmatique et il préfigure l'attitude des imprimeurs qui vont être les premiers confrontés à ces problématiques de reproduction. Et donc, Vidal va... À l'époque, on savait très bien retoucher les clichés. Et donc, il va produire des trichromies relativement parfaites, mais qui seront des trichromies qui, pour une part, procèdent d'un travail photographique et qui, pour une autre part, procèdent d'une intervention humaine destinée à corriger les défauts du système. C'est aussi pour ça que dans le vocabulaire, même au XXe siècle, pendant très très longtemps, on verra perdurer l'appellation de photographie en couleur véritable pour faire un distinguo relativement strict entre des photographies en couleur et des photographies en couleur, entre guillemets, pas réellement véritables, sur lesquelles les opérateurs seront intervenus. Et donc, pour conclure cette filière indirecte, de manière logique, on va voir arriver les premiers personnages qui vont apporter la solution industrielle, donc ce dont rêvaient tous les inventeurs qui les ont précédés, mais dont l'activité a été marquée par l'échec, on va dire, globalement. Et en fait, ce sont les frères Lumière qui vont produire la synthèse scientifique et la synthèse industrielle qui va permettre de réaliser le premier procédé industriel de photographie en couleur. Ça ne va pas être un trajet rectiligne. Louis Lumière dira tout le temps que la photographie en couleur lui a demandé beaucoup plus d'énergie que le cinématographe. Globalement, c'est une quinzaine d'années d'efforts soutenus. Donc il va passer quasiment par toutes les pistes directes et indirectes
qui avait été travaillé au 19e par ses prédécesseurs, de manière à en tester les potentialités en termes d'usage industriel. Et donc il va passer, entre autres, après avoir collaboré avec Gabriel Lippmann, il va utiliser une méthode qui est vraiment un copier-coller de la solution du Coduron, où il fait simplement passer le système de synthèse du tirage de l'épreuve charbon à l'épreuve à base de colorant, pour produire ces diapositives lumière qui vont durer schématiquement de 1895 au début du XXe siècle, avec un rendu assez étonnant qui préfigure un petit peu la photographie couleur moderne Kodak des années 40-50, hein, qui est très très loin de l'autochrome. Mais néanmoins, c'est un procédé qui est beaucoup trop complexe à mettre en œuvre. Ils vont simplement le limiter, on va dire, au secteur de l'édition, en vendant des diapositives finalisées que les amateurs pourront projeter chez eux pour au moins avoir le plaisir de voir des photographies en couleur. Et ils vont progressivement, mais sur une période de plus de 10 ans, arriver à la solution définitive qui sera celle de l'autochrome et qui va marquer le premier procédé de photographie couleur. On va le voir avec une approche extrêmement pragmatique. Ça, c'est le schéma classique de l'autochrome sur lequel est revenu Bertrand ce matin. Donc, ces fameux grains de fécule de pommes de terre colorés dans la couleur des filtres d'acquisition, donc violet, vert et orangé, et qui permet en fait d'intégrer la couche filtrante au système de prise de vue de manière à ne plus avoir à utiliser des filtres devant l'appareil et puis de se dispenser de cette parallaxe de temps incontournable avec les systèmes à séparation. Et ça, globalement, sur un plan purement théorique, ça avait été suggéré, hein, pas finalisé, mais simplement suggéré par Ducos-Duron, au passage avec des primaires qui étaient erronées et qui revenaient vers le jaune magenta cyan, globalement. Et donc les frères Lumière vont corriger les primaires pour les ramener au violet, au vert et à l'oranger. Et donc le brevet sera déposé en 1903 et l'introduction commerciale se fera à partir de 1907. Et ça, c'est vraiment la fin, on va dire, d'une grande séquence expérimentale qui aura duré pratiquement pendant la majeure partie du 19e siècle. Et ça traduit aussi l'attente du public amateur principalement par rapport à cette photographie en couleur qui a vraiment été attendue et désirée sur une période très très longue. La plaque autochrome est-elle le support néanmoins de beaucoup de problématiques qui n'étaient pas totalement résolues par ces inventeurs? Le réseau était relativement opaque, ce qui amenait une transparence relative du système en termes de capacité de restitution. Au niveau de la chromatisation, on est au tout début, on va dire, des solutions globales pour chromatiser les émulsions argentiques à l'ensemble du spectre de lumière visible. Un point théorique sur lequel les détracteurs scientifiques vont formuler leurs réserves par rapport à Louis-Auguste Lumière, c'est qu'en fait, ils utilisent de manière incontournable les mêmes filtres à l'analyse et à la sélection, et que sur un plan à la synthèse, pardon, analyse et synthèse, et donc sur un plan théorique, on devait utiliser des filtres de même couleur, mais de bandes passantes différentes. Schématiquement, les filtres de séparation d'analyse ont des bandes relativement larges, et les filtres de restitution devaient avoir des bandes relativement étroites pour favoriser la saturation des couleurs reproduites. Et globalement, on va le voir, ce dispositif, dans sa configuration, il favorise principalement la reproduction de ses propres primaires, globalement le violet, le vert et l'oranger. Par chance, ces couleurs sont majoritaires dans les environnements statistiques que la photographie peut enregistrer. En plus, d'un point de vue industriel, c'est le premier procédé, on va dire, multicouche, extrêmement complexe, qui préfigure des systèmes qui le seront encore plus, mais à une époque beaucoup plus avancée dans le XXe siècle, chez Kodak et chez d'autres, pour la couleur. Mais c'était extrêmement audacieux à cette époque-là d'envisager un empilement de couches aussi différentes, avec des problématiques d'adhésion et de fonctionnement objectivement complexes. Et en plus, ce procédé subissait des aléas de fabrication relativement importants liés aux moyens disponibles à cette époque-là. Et donc là, on voit en 1917, donc là, on est vraiment à la fin ultime du 19e, avec une approche un peu historique, le jugement
un peu lapidaire d'Henri Bouas, qui était professeur de physique à l'université de Toulouse, et qui dit, en fait, ce procédé donne des résultats merveilleux, mais la reproduction des teintes est inexacte. Elle l'est d'autant plus que la couleur est plus simple. Photographions un spectre pur, nous obtiendrons trois bandes monochromes séparées par des intervalles obscurs. Et alors, cette remarque est très intéressante, parce qu'elle ramène schématiquement l'autochrome devant ses juges, c'est-à-dire, en fait, les tenants de la méthode directe, avec l'obligation de reproduire le spectre. Et dans les recherches qu'on a conduites avec mon collègue Bertrand, on a retrouvé une seule photographie d'époque qui aujourd'hui est impossible à faire. Donc la photographie d'un spectre. Donc on revient à l'objet central de cette journée. Et donc la photographie d'un spectre de lumière solaire sur une plaque autochrome lumière. Et on voit effectivement que le spectre n'a plus que trois couleurs. Et ça, effectivement, avec le passif, on va dire, de ce qui a été exprimé pendant cette première matinée d'échange, on voit effectivement que le compte n'y était pas en termes théoriques. Et naturellement, ce qui est extrêmement intéressant par rapport à cette invention, c'est qu'avec en fait, cette limitation objective en termes de caractéristiques de restitution, on est plus charmé autant de générations d'observateurs. Et ça donne en fait tout le décalage qu'on maîtrise bien maintenant, et Françoise est encore mieux au courant de moi que ça, c'est tout le décalage entre les propriétés physiques d'un support et ses capacités perceptives lorsqu'un œil regarde le dispositif. Et donc objectivement, l'autochrome est un système pauvre en termes de performance technique. Par contre, c'est un système relativement séduisant pour l'œil. Et donc, c'est vraiment, on est au tout début, dans cette période du XXe siècle, on est au tout début de la prise de conscience de l'influence de l'œil et du cerveau sur sa capacité à accepter ou refuser des enregistrements colorés. Et que donc, les performances purement physiques d'un système doivent être relativisées. Et pour terminer avec toujours Henri Bouas, qui est un observateur attentif, il avait émis un commentaire un peu parallèle un peu plus tôt sur les photographies du Côte-du-Rhône, en disant, à propos de photographies de fleurs, c'est chatoyant, c'est amusant, que vaut-on de plus? Les roses sont violettes, les citrons sont orangés, les oranges n'étaient pas mûres, que les citrons sont d'une espèce jusqu'à ce jour inconnue, et que les roses méritent pour leur couleur un grand prix à l'exposition. On obtiendra donc n'importe quoi, mais jamais la même chose. Et donc ça montre bien ce clivage inconciliable entre la réalité physique et le cadre physiologique incontournable pour lequel sont faits ces objets photographiques. Et en termes d'épilogue, en espérant que je n'ai pas dépassé le temps qui m'était imparti, et en conclusion, on va dire, j'ai enjambé le XXe siècle pour arriver au XXIe siècle et montrer en fait que la trichromie à la méthode de Ducos-Duron a aussi sa propre modernité. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a maintenant des photographes qui utilisent ces méthodes historiques de séparation directe à la prise de vue sur trois films noir et blanc. Certains, de manière un petit peu anxieuse, pour anticiper la disparition des films en couleur, ce qui est peut-être une possibilité à moyen terme à envisager. D'autres, avec une approche, on va dire, un peu plus approfondie, par rapport aux performances esthétiques en termes de rendu, qui sont associées à ce type de dispositif archéologique. Et donc, je vais vous montrer quelques images alternatives faites par un collègue et ami qui est enseignant dans l'Est de la France, qui s'appelle Philippe Daud, et qui donc travaille sur ces artefacts qui au départ étaient rejetés au 19e, donc cette fameuse parallaxe de temps. Bon, schématiquement, ce sont des photographies où on fait trois photographies composites d'une séparation trichrome à trois temps différents. Si le sujet ne bouge pas, s'il ne se passe rien en termes dynamiques, il n'y a pas de problème particulier. Dès que des choses bougent entre les trois clichés, il va se passer des phénomènes optiques de ce genre. Voilà un autre type d'image. Ça, c'est une série qu'il a construite autour d'automobiles remarquables du XXe siècle avec des personnages qui en sont de fervents adeptes. Et au-delà de l'artefact coloré que l'on peut voir ici, il y a aussi un domaine spectral de rendu qui est différent de la photographie classique
argentique et numérique. Donc on peut explorer un univers coloré différent. Et en plus, on a accès à ce qu'on appelle une dynamique de contraste beaucoup plus importante que la photographie numérique ou argentique classique. Et donc, on peut se confronter à des sujets qui ont des écarts de luminance extrêmement importants, parce que le récepteur est un film noir et blanc extrêmement tolérant à ce niveau-là. Et au passage, on a un système d'acquisition qui est vraiment archéologique, qui date du 19e. Et par contre, au niveau de la synthèse, on est dans une chaîne de post-production numérique. Et donc, c'est vraiment un système qu'on appelle, dans notre jargon, un système hybride alternatif qui permet d'associer le 19e et le 21e siècle en fonction de ses désirs et de ses fantaisies, et en jouant particulièrement avec la lumière, qui va devenir vraiment l'acteur de cette parallaxe de temps. Voilà, je vous remercie pour votre attention.